L'athlétisme indien est en plein essor. Notamment grâce au lanceur de javelot Nirai Chopra, sacré aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et récent champion du monde à Budapest. Mais le nouvel héros de l'Inde n'est plus tout seul puisque ses compères Kishore Jena et Dépé Manu se sont classés aux 5e et 6e places de l'épreuve. L'athlétisme indien est néanmoins secoué depuis ce week-end par un improbable scandale, dont ont été le théâtre les championnats de Delhi. Les prémices de ce scandale sont apparues sur les réseaux sociaux où ont été diffusées des vidéos montrant un vestiaire jonché de seringues et de boîtes d'érythropoïétine, le fameux EPO. Des vidéos qui ont alerté l'agence nationale antidopage indienne NADA, venue effectuer des contrôles à l'occasion de la 3e journée de la compétition. Mais avertis de la présence de contrôleurs, de très nombreux participants ont déclaré forfait et pris la poudre d'escampette. Les défections ont été telles que la finale de l'épreuve reine. Le 100 mètres, s'est couru avec un seul et unique participant. Tous les autres ont eu peur de se faire tester, et en tant qu'athlète, je me sens très blessé et déçu, a confié le dénommé Lalikuma. Mais la scène la plus cocasse s'est sans doute produite à l'arrivée d'une épreuve chez les juniors lorsqu'une athlète a accéléré après la ligne d'arrivée pour échapper à un agent de la NADA qui tentait de l'arrêter pour procéder au contrôle.